Bonjour à tous et à toutes, c'est Keito et on se retrouve aujourd'hui. Mais où est-ce qu'on se retrouve? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh my god! Oui, on se retrouve sur un serveur. Eh oui, on est 7 à peu près. Voilà. On se retrouve donc, comme vous pouvez le voir, sur un serveur qui est Pixelmon. Alors, c'est un serveur que j'aime beaucoup. C'est, je pense, le seul serveur francophone de tout qui fait Pixelmon. Et j'adore juste ce serveur parce qu'en plus ils viennent de le remettre au goût du jour, donc c'est génial. Mais ce serveur est génial parce que il lag un peu. Je dois vous l'avouer, il lag un peu. Hein, niveau optimisation, il est pas génial. Mais le travail qu'ils font, je vais vous montrer. C'est juste du travail de ouf. Regardez, nous avons des professeurs. Donc il y a tous les professeurs, hein. Le prof Orm, le professeur Keteleria, le professeur Seco, le professeur Platane, professeur S. Je sais pas qui c'est. Je connais pas de professeur S. Hello Cédric. Hello Cédric, pardon. Hello. Le professeur Flora qui est Flora de Pokémon Emerald, Ruby, Saphir. Voilà, donc là il y a le prof Shen qui vous offre, je crois, c'est 15 carottes et 8 premières boules. Donc vous pouvez voir que déjà je passe énormément de temps à miner et tout. Alors ça c'est un Léviator zombie. C'est, je pense, un mob qui est exceptionnel. Au serveur. Sinon, si ça ne l'est pas, je sais pas, j'en ai jamais vu. Je dis peut-être une connerie, attention. Hein. Il y en a peut-être dans le jeu de base. Hein. Je sais pas. Je trouve méga moche, personnellement. Mais il est méga puissant. Voilà. Donc, c'est un serveur, vous voyez, il est vraiment bien travaillé. Il y a le parc safari, il y a la ville où on a les arènes et tout. On a le farm qui nous permet d'obtenir. Nos Pokéballs, les Pokémon, parce que tout est vraiment bien rangé, je trouve. Pourquoi je fais une vidéo là-dessus? Parce que, en fait, je me suis rendu compte que ce serveur, j'y suis depuis. Enfin, j'y retourne depuis à peine une semaine. Et je me suis dit, il est vraiment bien fait. C'est con que je le montre pas aux gens. Comme vous pouvez le voir, regardez. Enfin, je veux dire. C'est un bon serveur, alors pourquoi ne pas le présenter aux gens? Et oui, pourquoi pas. Donc c'est ce que j'ai fait. Avec une petite musique en fond. Je sais pas si on l'entendra beaucoup. Mais c'est sympa. C'est sympa ce qu'ils font. Ils font des grosses structures, hein. Il faut savoir que les maps sont reset de tous les mois, je crois. Donc voilà, hein, là on peut voir un morceau de l'œuf de Togepi. Non, on va pas mettre ça. Ouais, on va mettre ça. Hop, voilà, excusez-moi. Faut savoir que ce manga, n'importe quoi, ce serveur, je le trouve génial parce que voilà, il est super sympa. Après, c'est vrai que j'y ai avant, quand j'étais ami avec Ringo, Seb Shadow et tout ça. C'est des gens que vous ne connaissez pas puisque je ne leur parle plus. Enfin bref, il faut savoir que j'y passais vraiment des heures entières, voire des jours presque, puisque j'avais quand même réussi à avoir 3 Shinei. Hein. J'avais un Tortank Shinei, j'avais un Rakayu Shinei et un Hypnomad Shinei. Bon, maintenant ils ont tout reset pour passer en 3 points, je sais pas combien, on va voir ça. Est-ce qu'ils le disent? Non, ils le disent pas. Ils le disent pas, mais on est en... C'est bizarre qu'ils le disent pas. Non, ils le disent pas. On est en Pixelmon 3 points, je ne sais combien, puisque... Bah, de toute façon, vous voyez, hein, c'est... Voilà, c'est comme ça, donc forcément... Il a été mis à jour. Après, donc comme vous pouvez le voir, on n'a pas le dégât de chute, on n'a pas les dégâts de feu.
Ça c'est important à le dire parce que en fait peu de gens le savent et ça vous permet de faire des bases où vous êtes à l'abri. Donc il y a la minimap où on peut mettre les. Mince, c'est pas ça, c'est ça, voilà. Où on peut mettre les. Mince. C'est où? Taille. Le... Voilà, montrer les coordonnées. On peut cacher les coordonnées. Alors moi je vais les cacher parce que je vais vous montrer. Donc bah, vous avez vu ma petite base. Ou en faisant un slash home, on peut y retourner puisque j'avais fait un slash set home. C'est important à savoir qu'on puisse faire ça. Et en fait, pourquoi je les cache? C'est parce qu'on peut se faire piller nos bases, ce qui est assez embêtant puisque bah quand on mine et que notre base se fait découvrir, bah, on est un peu dégoûté parce que là, comme vous voyez, je suis bien implanté. Alors moi, c'est vrai que j'aimerais bien que, certes, les gens vous peuvent se servir, vous voyez, enfin moi je dis pas non hein. Mince, si je fais un slash home ça va pas être bon. Les gens ont bien ont raison de se servir mais qui replantent après parce que enfin je parle pour les nourritures parce que c'est assez embêtant de devoir changer de base à chaque fois parce que on nous a tout pillé et on n'a plus rien. Je me souviens avec Seb et Ringo on avait une super base où on avait des je vais vous montrer. Hop. On avait des noix agrumes noires et jaunes et on en avait sur 40 blocs et on avait fait une base mais elle était juste... on se faisait des cookies, on avait de la pastèque, enfin c'était un truc de malade. Hein. On était vraiment très très au petit et on s'est fait piller. Donc on était un peu dégoûté. Bon après en plus... c'est un peu éloigné et tout, donc voilà. On a Optifine, dont on ne peut voir le truc du Pokémon. Alors, c'est assez chelou, comment ça est, parce que... Ok, voilà. Il y a un temps de lag, j'ai l'impression. Et ouais, c'est assez bizarre. Ouais. Ouais, ok, c'est bon. Allez, on l'a récupéré. Hop. Donc, vous voyez, enfin, le serveur est. En plus, il est assez bien. Au niveau des modos, il est bien. Parce que les modos sont. Il y a au moins un modo présent par jour. Si ce n'est plus, hein. Voilà, là, il est 9h. Hein, donc, faut pas déconner non plus. Les mecs, ils sont pas tout le temps là non plus. Ils ont une vie à côté aussi. Il n'y aura pas de Tomb Raider. Je vais en profiter pour tomber sur autre chose. Parce que, il n'y aura pas de Tomb Raider aujourd'hui. C'est pour ça que je vous fais justement une vidéo là-dessus, sur ce serveur. Parce que je ne sais pas ce que me fait Steam, mais il a refusé de me connecter. Ce con. Ouais. Steam ne veut pas me connecter. Donc je ne sais pas ce qu'il a. Du coup, je ne peux pas jouer à Tomb Raider. Du coup, ça m'embête un petit peu. Légèrement, hein, faut le dire. Mais bon, je pense que d'ici la semaine prochaine, j'aurai réglé le souci. Hein, enfin, j'espère. Parce que ça va pas durer 15 000 ans non plus. Mais ouais, je voulais pas rien vous faire parce que je sais que certaines personnes regardent mes vidéos juste pour savoir bah, ce que je dis, ce qui m'arrive. Enfin, voilà, truc de base. Ah, elle est super sa musique. Mais c'est vrai que bah, je voulais vous faire quand même un petit truc parce que. Oh, tu fais chier! Connard, je vais te niquer. Oh, vas-y, mec! Ok. Ta 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 ta. Ok, bon, on s'enfuit, hein, tant pis. Ah, génial, il y a des. Non, c'était un bloc. Pardon. Je pensais qu'il y avait des Fantominus qui avaient spawn, mais en fait, non. Ta 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 ta. Ouais. Mais peut-être que je vous ferai d'autres vidéos, je ne sais pas. Faudra voir comment vous accueillez bah, cette vidéo. Après, je me dis pourquoi pas une série sur Pixelmon. C'est vrai qu'il y en a 10 000.
des séries sur Pixelmon. Il n'y a aucun Pokémon. Oh là là, comment on écrit aucun ici? Donc ouais, ah, bah voilà, les Pokémon seront rendus dans le dans les prochains jours, nous vous préviendrons. En gros, c'est les Pokémon qu'on avait avant. Donc moi j'avais une très bonne équipe avant, j'avais un Lagron niveau 65, un Metalos niveau 65. Ah, c'est grosso modo hein, de ce que je me rappelle. J'avais un Dragofeu ou un Typhlosion. J'avais plein de Pokémon. Dracolos, j'avais. Enfin, j'avais plein de Pokémon. Et j'avais une full équipe de niveau plus de 60. Pour vous dire, j'avais le Tortank Shiney. Alors, Tortank, Metalos, Dracolos. Comment il s'appelle? Dracofeu. Il m'en manque deux. Je sais plus. Je ne sais plus. Enfin, bref. J'avais des très bons Pokémon. Si jamais je les récupère, pour vous montrer, je le ferai. Je vous montrerai, hein, parce que je pense que c'est quelque chose à montrer quand même. Mais, putain. Voilà. Alors, je vais le faire. Voilà. Oula. Ah ouais, tu te la prends comme ça, mec. Bim. Voilà. Voilà. Donc, voilà. C'est... J'aime bien ce serveur parce qu'en plus, hein, bon, les mecs entre eux sont pas toujours tendres. Hein, voilà. Après, c'est vrai que quand on demande de l'aide, souvent, on nous aide. Bon, après, il y a les questions qui sont un petit peu débiles. Par exemple, où est-ce qu'on se soigne? Enfin... Et dans des trucs comme ça, forcément, les mecs se moquent. J'ai envie de dire, c'est, peu importe où que tu sois, on se fout toujours de ta gueule quand t'as une question conne. Mais bon, après, c'est bon enfant. Enfin, souvent. Souvent, c'est bon enfant. Parce que des fois, c'est de la méchanceté gratuite. Et quand ça passe aux insultes et tout, y a ban. Les modos ban. De toute façon, les modos ban dès qu'il y a flood. Dès qu'il y a majuscule, dès qu'il y a... Enfin voilà, le serveur est vraiment bien modé, hein, moi je trouve, personnellement. Après, je suis pas un modeur, hein, enfin j'ai mon serveur, mais c'est mon serveur perso, je veux dire, je l'ouvre à personne. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire? Bah, si jamais vous voulez venir jouer avec moi, bah, dites-le moi, je veux dire... Moi, il n'y a pas de souci, hein, jouer avec mes abonnés, c'est un truc que j'aime faire. Hein, de toute façon, vous le voyez bien. Enfin, non, vous le voyez pas, mais je suis sur plein de MMO, sur Eden Eternal, comment ça s'appelle, Aura Kingdom. Aura Kingdom, j'ai une guilde d'ailleurs, pour ceux qui voudraient. Voilà, qui voudraient. Après, je dis pas que je suis le mec que vous allez le plus voir, mais... oh putain. 22 et 19. On va prendre le 19. Hop. J'essaie en fait de faire évoluer... j'essaie en fait de faire évoluer... comment il s'appelle, Nosferapti. Parce que en ayant un Nosferalto, bah, je pourrais avoir un Ostan de fer. Voilà. Et moi, je veux un Ostan de fer. Voilà, 22... 21... Oula, oula, oh non, c'est bon. J'ai eu peur. J'adore cette musique aussi. Enfin, là, les musiques que vous entendez, c'est beaucoup mais des musiques que j'écoute quand je suis tout seul, que par exemple je suis en serveur ou en train de jouer à un jeu. Par exemple, quand on prend Pokémon Rouge-Feu, que je vous ai dit que je faisais de mon côté, et ben quand je joue, je mets ma musique et puis je joue comme ça.
C'est un peu tout le monde qui fait ça, mais moi j'aime bien vous montrer ce que j'écoute, ce que tout le monde écoute, c'est-à-dire de la Nightcore, de la Dubstep, du Final Fantasy, du Kingdom Hearts, du Pokémon, du Vocaloid, enfin voilà. J'écoute beaucoup de choses, faut savoir. Je suis un. Bah, j'ai une sœur qui. J'ai de la chance d'avoir une sœur qui est très musicalement parlant développée. Parce qu'elle écoute de tout, en ce moment elle est sur du rap italien, donc c'est pour vous dire. Voilà, j'ai une sœur qui est très. Qui écoute beaucoup de genres de musique, et du coup c'est vrai que quand elle écoute quelque chose de bien, bah moi j'écoute aussi, et puis c'est marrant. Après, je parle pas de celle que vous entendez toujours en vidéo, enfin celle que. Non, vous l'avez entendue qu'une fois, puisque l'autre. Bref. Après, c'est vrai que je reste quand même dans un univers assez. Bah, comme tout le monde, hein. Enfin, comme tout le monde. Pour la plupart qui me suivent sur YouTube, vous n'écoutez pas. J'allais dire du Maître Gims, mais en fait, si vous écoutez ça, c'est triste pour vos vies, mais. D'ailleurs, paix à vos âmes, hein. Non, je rigole. Je rigole, je rigole. J'aime pas Maître Gims, mais c'est mon avis à moi, quoi. C'est. Il y a un mec là-dedans. Il y a un mec ici. Échangeur de baies. Woot. Hello, Cédric. Ah ouais. Bon, après, c'est plus. Ah ouais! C'est plus avantageux de le faire soi-même. Mais. Ah ouais! Un lingot de fer! Ah ouais! Oh, c'est pas mal! C'est pas mal, c'est pas mal. Bref! Je sais même pas combien de temps on est de vidéo. Je vais essayer de le faire évoluer. De faire évoluer nos Serapti avec vous. Pour vous montrer un petit peu. Bah, comme toujours, comme Pokémon de début, j'ai pris Gobou. Mais j'avais hésité entre Gobou et Germignon. J'avoue. C'est en fait dans chaque version Pokémon, j'ai un starter préféré, un peu comme tout le monde. La première, c'est Bulbizarre. Bulbizarre, n'importe quoi. Carapuce. Ouais. Parce que moi, j'aime bien Carapuce, il est mignon. Après, donc, c'est Germignon. Après, donc, c'est Gobou. Dans la quatrième, c'est entre. La quatrième, c'est. Quatrième. Ah, j'ai un trou. Ah, ouais, Wistikram, Tiplouf et Torterra. Enfin, Tortipousse. Ouais, non, là-dedans, j'aime. Il y en a. J'ai pas de préféré. C'est pour ça que certainement que je vous ferai. Oh, si, je vous ferai cette version parce que. Parce que c'est marrant de faire les Pokémon, mais ouais, c'est vrai que dans cette version, j'ai pas de. Bon, après, je vous parle pas de la 5ème et de la 6ème, hein, parce que pour moi. Vous savez ce que je pense de la 5ème et de la 6ème. Surtout de la 6ème, surtout de la 6ème. La 6ème, faut pas déconner, hein. Pour moi, c'est pas une. C'est pas une version qui aurait dû sortir. Alors, il y a aussi des saves de. Oui! Aïe! Il y a aussi des saves du jeu, de votre inventaire et tout. C'est. Bah, c'est pour sauvegarder tous vos avancements, parce que le serveur crache énormément. C'est dommage, hein. Ce serait l'un des plus gros points noirs. Les gros points noirs, c'est le crash et les lags. Très clairement, c'est les deux seuls gros points noirs qu'il y a au serveur. Après. Le serveur, il est pas dégueulasse. Si vous faites pas chier, si vous êtes pas des emmerdeurs, personne vous fera chier. Pour trouver le serveur, oui, parce faut peut-être, parce que j'en parle depuis tout à l'heure, mais pour le trouver, il faut bah, vous taper Overcraft Pixelmon sur Google. Et puis voilà, vous le trouverez. Toi, t'es niveau 5. Non, c'est pas. Voilà, vous le trouverez, hein, de toute façon. C'est. Il n'y a pas besoin de l'acheter ce Minecraft.
Je pense que c'est une version crack, mais je trouve que c'est bien parce que pour ceux qui veulent jouer avec des potes, par exemple, on prend, bah, je sais pas, par exemple, je sais pas, je vais dire une connerie, mais par exemple, votre petit frère veut jouer à Minecraft, vous avez vraiment pas envie de lui acheter bah, un Minecraft, ce qui est normal, enfin, tout à fait normal, et bah, il veut jouer à Pixelmon puisqu'il a vu le Pixelmon de Fanta et Bob. Et bah, ce qu'il va faire, c'est que bah, vous lui téléchargez celui-ci, c'est gratuit, il suffit juste de vous inscrire, et puis voilà. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose, puisque. Ouais, on va éviter ça quand même. C'est une bonne chose, puisque. Comme ça, il n'y a pas besoin de l'acheter. Et ça vous donne exactement la même chose que si vous l'aviez acheté. Donc, yeah, il évolue. Ta 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 ta. Non. Et voilà, on a fait évoluer Nosferalto en Nosferati en Nosferalto. Alors, vous voyez l'interface au niveau des mince, comment on appelle ça? Au niveau des stats et tout est vraiment très bien. Hein. On voit très bien que c'est un type poison et voilà. Ici, c'est pour renommer. Je vais éternuer. Excusez-moi. Donc là, on voit s'il est KO, paralysé. Alors, les attaques avec la puissance, l'effet, tout ça. Donc, il y a aussi la capacité spéciale. Pour monter au level suivant, le total d'expérience. Voilà. Ce qu'il a comme attaque. Et les statistiques. Ah, il est plus puissant hein, quand même. Hein. Bon, après, il a quand même 4 niveaux de plus. Alors, je sais pas s'il est vraiment plus puissant ou quoi, mais bon. Pour l'instant, il m'a l'air plus puissant. Alors, il faut savoir que le début est le plus difficile. C'est-à-dire que, comme dans un Pixelmon normal, hein, tant que vous n'avez pas des Pokémon de level 30-40, sachez que c'est très, 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 très difficile d'avancer dans le jeu. C'est vachement difficile et c'est le gros point noir de toute façon de Pixelmon hein, le merde. Ouais, il nous a échappé. On va aller soigner tout le monde et on va le recombattre s'il est toujours là. Ouais, c'est le gros point noir du jeu, c'est que c'est difficile avant les niveaux 30. Après, ça roule comme sur des roulettes, vous pouvez capturer tout et tout. C'est beaucoup plus simple. Alors, faut savoir qu'avant il y avait plusieurs farms. J'ai l'impression qu'ils ont tout remis en un seul farm. Mais que y a déjà il y a beaucoup moins de place qu'avant, puisqu'avant on pouvait aller jusqu'à je sais plus il y avait combien de places. Mais il y en avait pas mal. Il y en avait au moins 500, je crois, au moins 500 places. Si je dis peut-être une connerie, hein, c'est un souvenir très lointain, puisque faut savoir donc ils sont partis il y a 3 mois et demi, donc ouais, ça fait non, ça fait 4 mois qu'ils sont partis. Ouais, enfin, ça fait 3 mois et demi, 4 mois, donc ouais, ça fait au moins 5 mois que je n'ai pas joué à, enfin que je n'ai pas joué à Pixelmon, donc c'est vrai que c'est. Ça remonte, hein. Wow. Alors, bah, toi, on n'a pas besoin. Pourquoi j'ai obtenu une. Ah, c'est pas les Pachirizu qui donnent des larmes de ghast? Oui, parce que les mobs donnent des objets. Hein. Comme vous avez pu voir, Oukoups m'a donné une plume et. Bah, je pense que Pachirizu m'a donné une larme de ghast. Ou alors, c'est peut-être les ghastis. Les ghastis, bien sûr, c'est les. Les. Comment ça s'appelle les. Les masses. J'ai oublié leur nom.
Les merde, j'ai oublié leur nom. Ah putain, j'ai oublié leur nom. Bref, c'est les ectoplasmas. Enfin, Fantominus, voilà. Alors, il y a aussi le Pokédex qu'on vous donne, qui est bah hop, voilà. Comme ça, donc voilà, on a sa taille, 1m6, son kilo. Son énorme mâchoire compte 4 crocs apparents qu'il utilise afin de transpercer la peau de ses victimes et de les bouffer. Voilà. Et Flobio, le cœur de Flobio est enveloppé par un film fin et collant qui lui permet de vivre hors de l'eau. Ok. Bon, mes amis, bah, je sais pas combien de temps fera cette vidéo. J'espère que je vous ai donné envie de venir sur ce serveur, de venir jouer avec moi, parce qu'il n'y a pas de souci, hein. Peut-être même je ferai un Skype spécial pour les abonnés un jour, hein. Bon, pour l'instant, on est 17, donc je vais pas faire un Skype pour abonnés, mais ouais, moi j'aime bien faire des Skype. Bon, j'en fais très peu parce que j'ai une très très mauvaise co. Mais, enfin, une mauvaise co. Oui, si, en fait, je suis chez SFR donc j'ai une mauvaise co. Mais, si ça vous plaît, moi je viens jouer avec vous, je viens discuter avec vous quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Venez, s'il vous plaît, je fais des amis. Non, je rigole, je rigole, je rigole. C'est une blague, bien sûr, hein. Moi, je suis très bien. Bref. Pourquoi il y a un cactus en haut? Ok. Bon. S'ils veulent. Voilà. Si ce serveur bah, vous plaît, bah, n'hésitez pas. Je pense que je mettrai le lien dans la description. Si je le fais pas, dites-le moi dans les commentaires. Dites que vous voulez le lien. Je vous le donnerai, il n'y a pas de souci. De toute façon, je réponds toujours aux commentaires. Je regarde toujours les commentaires. C'est où? Ok. Je regarde toujours les commentaires, hein, 2 à 3 fois par jour, parce qu'on sait jamais. Des fois, je peux passer à côté de commentaires et ne pas y voir. Si je mets un petit pouce bleu, c'est que j'ai vu, mais que je ne sais pas quoi répondre. Voilà. Si par contre, bah, je vous réponds, bah, je vous répondrai. Et puis voilà. Je pense que ce serait tout pour cet épisode. Je sais pas, enfin, pour cette, oui, pour ce petit épisode, cette petite vidéo. Je sais pas combien de temps fera la vidéo, je m'en fiche un petit peu. Je voulais vous présenter un serveur que j'aime beaucoup parce que voilà, il est rare que j'apprécie quelque chose. Avant, ils avaient mis un pack de textures, mais maintenant il n'y est plus. Je pense parce que certaines personnes ont dû le changer. Donc ouais, si ça vous plaît, n'hésitez pas bah, à me demander le lien dans dans les commentaires. Moi, je vous le donnerai avec ravi. On se retrouve donc bah, pas demain. Oula, pardon, je viens de taper dans mon micro. Donc pas demain, mais lundi avec du Pokémon Saphir. On approche doucement de la fin, hein. On est déjà à pratiquement 4 badges, hein, déjà, c'est... Oula. C'est déjà pratiquement 4 badges, hein, Le jeu va vite, 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 hein. Bon. Tomb Raider aussi, on approche doucement de la fin. On est pratiquement à la moitié. Hein, c'est... On s'approche doucement de la fin. J'ai déjà une idée pour le remplaçant, donc de Pokémon. Mais pas encore de... Pas encore de commande de... Pas encore de Tomb Raider, parce que j'aimerais bien faire un jeu assez récent, mais j'en ai pas en tête. Donc voilà, bref. De toute façon, vous verrez bien ça en temps et en heure. Je vous annonce déjà que le remplaçant de comment? De... Allez! Voilà. Donc le remplaçant de comment il s'appelle? De mince. De Saphir, ce sera FF7 parce qu'on me l'a beaucoup demandé, donc je le ferai. De toute façon, j'avais dit que je le ferais, donc je le ferai maintenant. C'est pas un truc qui me déplaît, bien au contraire. Oh, j'ai gagné une pastèque! Oh, c'est génial, je vais pouvoir faire pousser de la pastèque dans ma...
dans ma base. Ah, c'est trop cool. Ah, c'est trop cool. Ah, du coup, j'ai obtenu une pastèque. J'avais obtenu aussi une. Ah, on a obtenu de la. Ok. J'avais aussi obtenu une pomme de terre avec un. Je sais plus quoi. Donc, on va prendre de la terre pour agrandir la base. Bon, du coup, je vais quand même vous dire au revoir parce que ça fait 10 minutes que je vous dis au revoir et qu'il n'y a toujours rien. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, bah, moi, je vous dis à la prochaine. Faites attention à vous et portez-vous bien. Allez, bye bye tout le monde!